vous allez retrouver juste ici les préludes, une cuillère qui vous emmène sur l'histoire familiale, donc avec à l'intérieur une préparation au changuro. C'est une farce glacée réalisée à partir de d'araignée de mer, vu que la traduction basque de araignée de mer, c'est changuro. C'est une recette qui a été élaborée par le papa des chefs, qu'il a ensuite retransmis à ses fils, qu'il a réalisé sous forme de glace. Donc cette tartelette est à manger en une seule bouchée, pour avoir ce côté croustillant et glacé à la fois en bouche. Ensuite, vous allez partir sur le port de Saint-Jean-de-Luz avec une tartelette sardine, pointe de crème crue de la ferme, graines de coriandre et de cébette et un petit peu de fenouil pour terminer. Félicitations à vous. On continue la balade des préludes. On va aller du côté de la Dour avec une bille de foie gras, anguille fumée enveloppée d'un sucre muscovado. Et juste ici, vers les vallées pyrénéennes, avec une poitrine de cochon de chez Eric Hospital qui est caramélisée et cuite dans son jus. Alors juste ici, vous allez retrouver une baguette au piment d'Espelette qui est faite sur place par le biais de notre équipe de pâtisserie. Et ici, il s'agit d'un pain au levain et aux graines qui lui est fait par un artisan boulanger à Bidart. Monsieur, pour poursuivre cette balade des préludes, nous allons partir dans le Pays Basque Sud, à côté de Bilbao, en Espagne, où une petite ferme produit de burrata avec laquelle on réalise une glace. En dessous, vous allez retrouver un caviar d'aubergine relevé au vinaigre de Xérès. Et sur le dessus, de fin coco de jambon de cécina, jambon de bœuf très légèrement fumé. Bonne dégustation. Bon, là, donc, j'ai un bonjour à donner. Il paraît d'Aurélien, il paraît. Aurélien m'a dit, tu passes bien le bonjour à Chabu. Oh, il est bien, on a très bien mangé d'ailleurs, qu'on a été là-bas. Bah, on a passé un très bon moment. Dernier service. Il va avoir l'étoile, nous, ce qu'on a mangé, c'est largement. Alors là, on va rentrer un peu dans le Pays Basque. Donc là, je vais vous présenter la biscayenne. La biscayenne, c'est une recette traditionnelle du Pays Basque Sud. Et c'est surtout une recette que faisait Aïda, donc papa, auparavant. Il nous a transmise et qu'on a revisité. Enveloppée dans une gelée d'ail, on va retrouver une pomme de terre à base de tomates, pommes de terre, persil et huile d'olive. Sur le côté, donc une rose de cabillaud. Donc ce cabillaud, on l'a travaillé comme une morue, c'est-à-dire qu'on l'a salé, puis dessalé. Et ensuite, on est venu légèrement le brûler au chalumeau. Et ici, je viens vous déposer une émulsion de pil-pil, sur laquelle je vais vous saupoudrer une poudre d'ail des ours. C'est une petite histoire parce qu'on a été le cueillir au printemps dernier avec nos équipes. Et derrière, on l'a fait déshydrater. Super. Et bien sûr, piment d'Espelette. Bon, Jean-Pierre doit savoir, mais peut-être le pil-pil, on vous fait une petite... voilà, mais je vais vous expliquer. Allez. Alors le pil-pil, allez. En fait, c'est une émulsion chaude de poisson. En fait, dans le cabillaud, on récupère tout, les joues, les peaux, les arêtes. On fait chauffer ça dans une casserole avec un peu d'huile d'olive et on fait tourner fortement afin de faire sortir la gélatine naturelle du poisson. Après, on va rajouter un peu d'eau, ça va se lier, ça va s'épaissir. Derrière, on va l'assaisonner avec une pointe de vinaigre de chacoli et ça va devenir donc ce traditionnel pil-pil au Pays Basque. Traditionnellement, on sert avec les cocochas de merlu. D'accord. Voilà. Voilà. Adorable, Chabu. Super. Bonne dégustation. Alors ici, donc, on est avec toutes les saveurs des sous-bois. On va retrouver les ravioles de champignons. Pour accompagner, on va avoir les premiers champignons, donc les cèpes, les girolles, également mousseron des prés, des deux foie gras poêlés. Et ici, je viens vous verser un bouillon d'herbes potagères. On va avoir cerfeuil, estragon. On va retrouver le beurre qui a aidé pour cuire les cèpes et champignons de Paris également. Bonne dégustation. Je présente Jean-Pierre Coulet. Voilà, donc il va venir filmer la grouse. Alors on a deux solutions. Soit tu restes de ce côté ou soit sinon on peut te mettre de l'autre côté où tu pourras avoir un peu plus net. Je pense que c'est mieux de l'autre côté. Ouais. Le principal c'est que je n'aime pas, si tu veux, t'es... Bonjour. Ça va, je pense que le mur, voilà, tu peux te mettre ici et voilà. On va la sortir juste là. Pas de problème. Voilà. Oula. Mélange. Oh là. Ça c'est...
Qu'est-ce que c'est ça? C'est une pomme de terre. Pomme de terre fondante. C'est pas évident. C'est pas évident de la reconnaître. Elle est travaillée quoi. Je vais poser la question. Dedans, c'est bon, c'est bon. Chef. Bonjour. C'est bon. C'est bon. La 9 au niveau biscayenne. Merci. 9 plus 11, on n'avait pas démarré les tables là. Juste avec les pommes soufflées. Parce que ça, c'est un petit exercice que j'adore voir. Tout un travail. En permanence fermé. Hein. Exactement. Oui. Là, maintenant, vous mettez les couleurs à viande, s'il vous plaît. Et après, j'aimerais bien qu'on enchaîne la 12 et la 11. Merci. Ça y est, c'est prêt. C'est en salle. Alors, ici on va commencer par la vente très jeton rouge, donc de Saint-Jean-de-Luz, qu'on a mariné pendant 24 heures avant de la snacker. On va retrouver cette marinade sous forme de gel, surcoquée. Quelques retours de nos cueillettes avec des fleurs de fenouil, des pickles de Christ Marine. Les Christ Marine, c'est le fenouil marin ici, pour les rochers que l'on va cueillir. Et ensuite quelques poivrons rouges qui ont été cuits à la braise. Alors, pour savoir que quand on va cuire ces poivrons à la braise, on les a laissés ensuite reposer dans une plaque. Ils ont libéré un jus qui a pris une légère amertume, un léger goût de braise. Et c'est ce qu'on va vous servir pour accompagner la ventrèche. Et ici, donc, on va avoir la grouse, donc la grouse que l'on a confite au vieux malt. Ensuite, on a fait une petite farce à l'intérieur avec cèpe, foie gras et également les cuisses que l'on a glissées à l'intérieur. Sur le côté, une pomme de terre fondante qu'on a cuit dans un fond de volaille, un bouillon de volaille aromatisé au pain et à l'ail. Et ici, pour terminer, un jus de grouse dans lequel on y a fait infuser une branche de romarin et on l'a terminé avec une pointe de whisky. Alors, pourquoi je travaille la grouse? Parce que c'est un produit que j'avais découvert avec ancien chef avec qui j'ai travaillé, donc Yannick Alessandro, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce produit. Donc depuis un peu en hommage à la chaleur, avec lui, chaque année, je suis en train de travailler à la mais cette année, c'était compliqué d'en avoir, parce qu'avec le Brexit, est-ce que vous avez des choses que vous voilà, réussi à avoir un seul arrivage. Un sous miracle. Voilà, c'est non, mais ça va. Donc juste ici, vous allez retrouver la tome reblochonnée, revisitée sous forme d'émulsion. Vous allez aussi retrouver quelques morceaux de cette tome finement coupée pour apporter un petit peu de structure. En dessous, un croustillant. Et sur le côté, vous allez retrouver un sorbet à la livèche. Donc la livèche est un céleri sauvage qui est présenté juste ici sous forme de sorbet légèrement granité. Félicitations à vous. J'ai fait une petite alternative parce que vous aviez deux pommes coin et je vous ai mis une pomme coin et un dessert au miel. D'accord. De chaque. Thank you.
Pardon ? Non, c'est un bain-marie pour garder au chaud en fait. Oui, voilà, c'est tout. Tac, donc ici on a un premier dessert. Savoir à qui je sers le miel et à qui je sers la pomme. Voilà. Parce qu'on va laisser au nerf aux dames. Oui, alors je vais prendre quoi? Tu prends le miel ou la pomme? Prends ce qui te fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai? Les deux me plaisent, je vais prendre le miel. Bon, très bien. Alors ici, donc le nid d'abeille croustillant. Donc en fait, on a travaillé à l'intérieur donc un petit peu d'acidité avec un sorbet au yaourt, une émulsion de lait, quelques agrumes qu'on va retrouver sous forme de zeste, sous forme de sucrème. Et à côté, on a accompagné avec la noix de pécan, voilà, qu'on va retrouver caramélisée puis sablée, et également sous forme d'un praliné. Et pour terminer, surtout, on va vous servir un peu de miel de châtaignier, qui nous provient de la ferme Ariscasuya, à Cambo-les-Bains. Ici donc on va retrouver donc le dessert de saison aussi de Patrice, du coin et de la pomme. Donc pour accompagner le coin, on a travaillé deux types de pommes, la chantecler pour amener un peu de sucrosité, la reine des rainettes pour amener un peu d'acidité, sur le dessus de la gourmandise avec une ganache montée à la vanille de Tahiti, quelques noisettes du Piémont qui ont été d'abord torréfiées puis caramélisées, et sur le côté on va retrouver un peu de fraîcheur ici avec un sorbet et son émulsion au cidre. Et ça c'est un dessert en fait que Patrice avait travaillé pour la finale des Mémoires de France. Dans la partie dessert, il devait faire un dessert donc, sur le thème de l'automne, et notamment ça lui avait valu une belle note parce qu'il avait pris la deuxième note en dégustation sur ce dessert au final. Après il y avait eu d'autres dégustations, tout ça, mais celui-ci avait particulièrement marqué le jury parce qu'on était vraiment sur le fruit et voilà. Alors voilà, donc voici donc nos bandelaines toutes juste sorties du four, comme des petits nuages aromatisés au miel de châtaignier de la ferme Ariscasuya à Cambo-les-Bains. Donc pour commencer, vous allez retrouver un crémeux tout chocolat, pure origine. Donc on est sur de l'origine Ghana, une base en chocolat amer. Sur le dessus, une mousse avec un chocolat en 45%, donc chocolat au lait, qui va être beaucoup plus léger et crémeux. Ensuite, vous allez avoir une tartelette avec une gelée de figues relevée au vinaigre balsamique et sur le dessus, une mousse à la nette. Et pour terminer, vous allez retrouver un des desserts signature de notre chef Patrice, un des desserts qu'il a présenté en demi-finale du meilleur ouvrier de France. Il a décidé de réaliser sous la simple forme d'une simple bouchée. Base croustillante, sur le dessus une mousse à la passion, puis un crémeux vanille et chocolat blanc, et sur le dessus quelques fruits frais, donc passion, ananas, mangue. Le pourtour est une dentelle légère de chocolat blanc. Bonne dégustation à vous.